Et bonjour à tous, c'est Locan pour Locan.fr et aujourd'hui je vais vous présenter une coque batterie pour iPhone. La coque batterie du jour, comme son nom l'indique, est une coque à vocation de protection et une batterie externe qui va vous augmenter la durée de vie de votre iPhone, parce que bon, 6 heures ça va un petit moment, c'est la Mophi Juice Pack Air. La Mophi Juice Pack Air, comment ça se présente? On va l'ouvrir ensemble. Comme vous le voyez ici, il y a un petit câble USB pour connecter tout simplement votre coque iPhone à l'intérieur et synchroniser votre iPhone à votre ordinateur. Donc c'est de l'USB vers du micro USB, vous le voyez c'est tout petit. Et la coque est ici, donc on va la sortir de là-dedans. Il y a le petit film de protection, le packaging est très bien fait d'ailleurs. Vous avez ici derrière un indicateur, un témoin de charge. Vous voyez, la coque est chargée à fond dès que vous la recevez. Elle s'ouvre comme ceci, le manuel d'utilisation à l'intérieur. Tout le monde s'en fout. Votre coque ensuite, il y a ici un dock qui va vous permettre évidemment de relier votre iPhone dessus. Le témoin de batterie, je vous en ai déjà parlé. Ici, le petit commutateur on-off. On-off, pourquoi? Puisque quand votre iPhone est chargé pour la vie de tous les jours, vous allez vous en servir comme coque et donc, n'avez donc pas besoin d'utiliser la batterie interne. À un moment ou un autre, votre iPhone va être complètement vide et vous désirerez le recharger. Vous commutez donc sur le mode on et là, la batterie de votre coque prend le relais et recharge votre iPhone. Vous avez ensuite ici, bien entendu, le petit port micro USB pour relier votre coque à votre ordinateur, la charger s'il n'y a rien dedans, ou la charger plus synchroniser votre iPhone et charger votre iPhone dans le même temps si l'iPhone est à l'intérieur. Votre iPhone, le voici, ne soyez pas choqué par le fond d'écran, je vous l'ai déjà montré sur Twitter. Comment ça se passe? Donc on vient coulisser notre iPhone dedans, qui vient s'emboîter sur le dock, et ensuite on vient fermer le petit capuchon dessus. Comme je vous le disais, ici on va commuter en mode on, pack, et mon iPhone passe en charge, c'est génial. Cette petite coque batterie coûte dans les 70-80 euros je crois. Désolé de ne pas être trop clair sur le prix, c'est un cadeau d'un lecteur, Jamel, que je remercie énormément, puisque grâce à lui, vous allez pouvoir avoir des tweets non-stop quand je pars en déplacement, et je vais pouvoir me repérer dans le métro parisien sans me dire « Ah merde, je vais plus pouvoir appeler personne après ». Petit reproche sur cette coque, elle épaissit un petit peu l'iPhone, un chouïa. Là, l'illusion d'optique est grosse, on dirait que ça a le double de volume, en réalité, ce n'est pas le cas. Elle épaissit un petit peu, de l'ordre de 1,4 fois. Mais au rapport de l'autonomie qu'elle apporte, elle a 1200 mAh de charge dans la petite coque, donc ça vous apporte une fois et demie la charge de votre iPhone. C'est-à-dire que iPhone vide, vous allez pouvoir le recharger une fois en entier, plus encore la moitié d'une fois. C'est donc très bien. Le petit reproche vient ici. Vous voyez le commutateur qui vous permet de passer du mode silencieux au mode sonnerie, si je puis dire. Et bien ici, il manque un petit retour parce qu'une fois... Pour le verrouiller, pas de problème. Par contre, pour le rouvrir, personnellement, j'en chie des bulles. Voilà. Non. Hop. Enfin, j'y suis pas arrivé. J'y suis arrivé le premier jour. Là, j'y arrive plus. Donc, ça aurait pas coûté plus cher de faire un petit dégagement ici pour permettre aux gens qui n'ont pas d'ongle comme moi de pouvoir venir déverrouiller sans souci. Bon, la solution est toute trouvée. Il suffit de faire ça entre guillemets ou de le mettre moins souvent en silencieux. Que du plus pour cette coque, encore une fois, qui épaissit un petit peu, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre tous les jours. Moi, quand je reste sur Grenoble, ben, comme elle est tout le temps branchée à l'iMac, au MacBook, ou dès qu'il y a un port USB qui passe, je le recharge. Donc à Grenoble, elle ne me sert pas. Pour mes déplacements, en revanche, ça va être méga utile. Que du plus, encore une fois, c'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.